Bonjour à tous. Alors, je partage aujourd'hui en fait le tableau de vision que j'ai fait dans le cadre du défi Mission de vie. Et c'est ma deuxième saison de ce défi que j'ai fait. J'ai commencé le 1er décembre pour la deuxième fois. Et là, c'était le jour 8. Je refais un tableau de vision. Donc, je suis heureux d'en avoir refait un, surtout que je referai sans doute une autre vidéo où que j'ai mes anciens tableaux de vision et je vois que ça se réalise. Donc là, en fin d'année, je dirais que c'est mon tableau de vision 2022, pour 2022 du coup. Donc, je vais expliquer un peu la sémantique. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve ça très sympa comme activité à faire, et je trouve que c'est une œuvre d'art. Moi, je le vois comme une œuvre d'art. Voilà, je vais expliquer un peu la sémantique. Donc, ça, c'est la vision que j'aurais voulu, que je souhaite avoir. Donc, alors, ce qui tombait bien en plus, c'est que ce même jour 8, je préparais en fait un dialogue pour. Enfin, une suite, j'avais déjà fait un dialogue pour l'organisation bouddhique dans laquelle je fais partie. Et justement, avec Marie, ma binôme, il y avait une interrogation sur les perspectives qu'on envisageait pour 2022, la suite. Donc, du coup, je me suis exploré et je me suis appuyé sur ce que j'avais écrit en réponse. Et en réponse, j'avais mis, moi, c'est une terre de Bouddha. Et illuminer le monde et vraiment aussi réaliser, faire jaillir le Bouddha, l'état de Bouddha le plus souvent possible, le plus possible, et aussi contaminer tous les êtres afin qu'eux-mêmes ils fassent jaillir leur état de Bouddha ou pour ceux qui préfèrent leur potentiel, leur plein potentiel, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'optique qui me touche. J'avais aussi, donc c'est explique qui est le Bouddha là, j'aime bien ce visage-là. D'un point de vue un peu plus ultime et profond, c'est que donc je l'ai placé au-dessus, là, c'est il regarde en fait tout ça. En fait, tout ça, c'est une manifestation de l'état de Bouddha, de la claire lumière de l'esprit, donc ce qu'on pourrait appeler le Bouddha. Ça va rejoindre aussi un peu cet aspect qu'on voit là, qui irradie la lumière. Ça, d'un point de vue aussi Dzogchen, donc c'est une tradition bouddhique, c'est la lettre germe A, et ça a une signification profonde. Alors, où tout irradie. Enfin, je vous invite à explorer les enseignements bouddhiques et rencontrer des grands lamas, enfin des lamas serait source d'instruction pour ça et cette vision un peu lumineuse, voilà. Et en même temps, où qu'il est placé là, ça faisait un peu le chakra de la gorge. Là, le cœur aussi. Là, c'est plus, plus les chakras racines. Il y a aussi une chromatique en fait dans mon tableau de vision que j'aime beaucoup. Donc, on voit que ça monte, voilà. Et que ça germe un peu tout là dans la matière. C'est un peu ce qui va se passer avec un tableau de vision. On met ça en avant, les images, et puis on va voir, ça va cheminer dans l'énergie, ça va être basé sur la loi d'attraction, et ça va se matérialiser. Donc il y a ce phénomène-là dans mon tableau de vision. Voilà. On passe d'un point de vue subtil à la matière. Voilà. Là, c'est vraiment la matière, hein. Bon, ça, c'est pour le côté un peu sensuel, excitation. C'est un peu mes fantasmes, voilà. Avec une partie après épanouie de la sexualité, je retrouverai là. Donc, ça monte un peu l'excitation. Et là, c'est vrai que ça, j'ai trouvé cette image-là, c'est avec l'extase, la recherche. Voilà un moment divin quoi d'exaltation voilà, là aussi qu'on retrouve et c'est ce que je vis enfin ce que je vis c'est ce que j'explore travers la sexualité avec ma compagne donc je la remercie beaucoup d'être ma partenaire
de vivre ces échanges d'énergie. C'est ce que j'explore, souhaite aussi affiner, explorer en 2022. En plus, 2022, 2, 2, 2, 0, on pourrait dire que c'est l'unité. C'est vraiment s'explorer cette extase, cette unité par le corps, nous deux. Voilà. Ce qui demande une certaine alchimie, une harmonisation de nos énergies, ce que je trouve très intéressant et que je souhaite continuer à explorer en 2022. Voilà. Donc, bon, moi, ouais, mes fantasmes, c'est les collants. Donc, j'avais mis ça, c'est vrai que ça, du coup, c'est pas mal. Ici, il y avait un aspect aussi sexué, hein, avec ce lotus. Et puis, bon, bah, je vous laisse un peu le sexe féminin qui s'épanouit, voilà. Plus, il y a un chemin. Donc, je suis très dans l'exploration du masculin et féminin qui part, je m'en rends compte cette année, en fin d'année, que je l'explore à l'intérieur de moi. Pour l'extérieur et que ça s'harmonise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui. Et j'ai beaucoup d'événements qui se mettent en place dans ce sens-là, avec les cercles hommes et aussi beaucoup la rencontre entre des féminins et masculins, des activités organisées là-dessus, à travers des connaissances. Voilà, donc ça, je suis très, très touché. Voilà, ça, c'est une partie. Une partie, c'est justement de ces rencontres, ces amis. Bienveillant, en conscience. Et là, c'est le dialogue. Et j'ai beaucoup de dialogues, d'échanges, beaucoup d'amis. Donc, c'est ce que reflétait ça. Le lion, lui, c'est la part, justement, il est toujours, c'est mon animal, un de mes animaux totems, qui est là, justement, pour être dans cette puissance, force d'homme, affirmé et tenir le cap, la route et justement être assis pour assister à ces événements-là, pourquoi pas en mener, c'est voilà, être affirmé, bien bien posé, et mener les dialogues. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une lutte intérieure aussi contre les obstacles, qui pourrait faire obstacle. Et du coup, ça demande une énergie, une force, hein, d'être digne aussi. C'est ça, je trouve ça touchant. Donc, ça, c'est l'harmonie. Donc, ça, c'est une partie. Alors, ça m'a fait rigoler. C'est pour le contact de l'eau aussi. Alors, l'eau, on peut dire aussi, c'est le féminin. Hein. Ça se trouve en bas. Et on voit des hommes. Peut-être que c'est l'harmonie entre les deux. Enfin, j'avais trouvé cette image-là dans la recherche de Dzogchen. Donc, je trouvais beaucoup. Et moi, l'eau, ça m'a toujours apaisé énormément. Voilà, et puis ça va être quelque chose d'essentiel, l'eau, c'est là d'où vient la vie, et ça va être un enjeu majeur pour les années à venir. Ce qui conduit aussi à cette image-là, aussi crescendo, c'est j'ai beaucoup une thématique sur, là aussi on voit de l'eau d'ailleurs, sur l'environnement, et ça, pour la Terre, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir des activités, et aussi je trouvais inverser la tendance actuelle. Et à travers cette goutte d'eau, ça symbolisait ça. Et je l'avais trouvé cette image sur mon site dans l'organisation boutique de laquelle je fais partie, et que c'était dans les enjeux environnementaux. Donc moi, je suis vraiment rentré dans. Ça me touche dans le cœur d'être vraiment acteur bénéfique à notre terre. Voilà. Là, c'est un point de vue aussi un peu plus subtil en bas. Ça rejoint le Dzogchen, hein, on peut voir plusieurs trucs, hein, donc l'espace, j'ai aussi une envie de détente spacieuse, ça c'est très important, que tout soit fluide, et en fait aussi de se rendre compte d'une perception ouverte, voilà, donc le ciel c'est l'ouverture, hein, c'est vraiment, là on voit un espace dégagé, un homme, ça permet aussi d'avoir du recul, de l'aplomb. Un aspect un peu plus subtil, on voit le reflet dans l'eau et se rendre compte que justement pour se dégager de l'ego, de nos tendances réactionnelles, de nos fixations, essayer de percevoir les choses comme elles apparaissent, elles sont comme des illusions dans l'eau, ça peut aider à
justement à aller plus loin dans notre quête bénéfique pour la Terre. Ça va être justement de se rendre compte intérieurement, de faire notre révolution et de changer nos perceptions, accéder à transcender nos peurs, en fait, nos émotions. Et ça sera une source bénéfique pour la Terre. Les fleurs aussi, c'est le symbole de l'éveil. Eckhart Tolle, il en parlait beaucoup, ça rejoint beaucoup. Nouvelle Terre aussi. C'est comme des fleurs qui s'épanouissent, les êtres humains. C'est vraiment un souhait de les emmener justement à cette terre de Bouddha. C'est pour ça aussi l'image au-dessus. C'est des êtres humains épanouis, joyeux, voilà, qui révèlent leur potentiel. Donc ça, c'est, j'aimerais être acteur de ça. Je commence à l'être, donc voilà, et ça passe par développer, être dans son état de Bouddha, ou la nature de l'esprit le plus possible, s'en rendre compte, être conscient aussi, beaucoup conscient, voilà. Donc ça, voilà, nouvelle terre, terre des êtres humains épanouis, voilà. Et la sexualité passe par là aussi. Moi, je trouve que elle me permet d'accéder à beaucoup de champs conscience, en fait, d'explorer aussi mon obscurité grâce au corps, ça c'est très important. Alors on pourrait dire la danse aussi, une danse, la danse, j'aime, voilà, on voit beaucoup le mouvement, la danse. Alors j'avais mis là Jésus-Christ avec un disciple, ça c'est important pour moi, ça rejoint aussi ça, c'est de suivre l'enseignement de personnes mystique, j'en vais aborder ça plus le temps, mystique, on va pas dans les catholicismes, c'est un symbole, Jésus, pour moi, c'était comme un être éveillé, un Bouddha, et aussi cette image fait référence à s'abaisser, à se dire que je suis pas, que j'ai à apprendre, et qu'il y a des êtres éveillés, voilà. Et cette transmission de connaissances, ça, je trouve que c'est très important. Alors, les postures des yogis, ça, c'est pour c'est suivre les enseignements yogiques. Voilà, ça, c'est quelque chose de précieux. Donc, c'est vraiment continuer en 2022 d'explorer cette voie mystique. Voilà, je veux dire mystique. Alors, cette femme qui a le point haut, d'un côté, je dirais que ça peut me déranger un peu. Peut-être que j'ai pas. C'est encore l'homme qui. Mais là, c'était vraiment dans l'espoir de la victoire du féminin, dans le bon sens du terme, et aussi d'être. Peut-être, c'est pas inférieur à tout, mais laisser la place au féminin. Voilà. Je trouvais. Puis il y a l'aspect lumineux que le féminin remporte. Après tout, le féminin. Est supérieur à ce côté intuitif qui peut guider l'homme. Donc, c'est, voilà. Et en même temps, ces derniers temps, justement, j'ai ce symbole très. Qu'on me montre très. Comme le sexe masculin, un phallus, une colonne très droite. Voilà, peut-être que c'est aussi les deux, en fait. Voilà, c'est vraiment le féminin harmonisé avec le masculin et que c'est la lumière. Voilà. Je pense que je vais finir là, c'est assez long. Et en conclusion, je dirais que ce tableau de vision, je laisse l'univers faire et je lâche prise et je verrai ce qu'il m'apporte. Et je pense partager avec vous, donc comme je l'ai dit, les réalisations que je ne m'attendais pas des tableaux de visualisation que j'ai fait les autres années. Et ben voilà, je souhaite que cela soit inspirant et inspirant pour tous et que ça procure une joie et le souhait d'être la réalisation de ça, voilà, pour vous aussi, de faire un tableau de vision, si ça peut aider, conduire d'autres personnes à se réaliser, ça sera la joie de mon cœur. Belle journée, merci.